Yo tout le monde, c'est Yolande. Ah, le temps, c'est Lana. Hold up. Les amis, on espère que vous allez bien, que vous tapez la forme. Pour notre part, tout va bien. Aujourd'hui, on est grave content de vous retrouver pour une petite vidéo qui sera All Shein. Comme vous les aimez, vous savez, Shein a un tous les mois. Du coup, activez la petite cloche si vous voulez recevoir vraiment toutes les notifications de toutes nos vidéos, que ce soit les challenges, les pranks, les vidéos haul comme Shein, etc. D'ailleurs, petite statistique, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que toi aussi tu commandes sur Shein, parce qu'en vrai on fait des vidéos Shein, on sait que vous êtes beaucoup à commander, mais est-ce que toi tu commandes en particulier? Et si oui, à quelle fréquence tu commandes? Nous personnellement on commande tous les mois, parce qu'on est en collaboration avec eux, et même parfois on commande hors collaboration et à chaque fois on utilise notre code promo qu'on vous affiche sur l'écran, parce qu'il vous permet de bénéficier de moins 15% sur la totalité du site. Donc ça vaut grave le coup, c'est l'un des meilleurs codes promo qui existe, on peut pas trouver plus que notre code. Donc dans tous les cas, voilà, répondez à cette question: est-ce que vous avez déjà commandé sur Shein, oui ou non, et à quelle fréquence? On attend vraiment tous vos commentaires, de toute façon on répond à tout, vous le savez, même sur Instagram qu'on vous affiche ici sur nos deux petites têtes. Venez nous follow parce qu'on répond à tous vos messages. Vraiment, envoyez des messages, faites-vous plaisir les amis, on vous répondra dans tous les cas. Enfin bref, fini de blablater, on va commencer avec la vidéo Shein. Donc le code promo c'est 58 en majuscule, où vous avez moins 15% sur tout le site, et les livraisons c'est entre 7 à 10 jours. Du coup c'est quand même assez rapide, et il y a de tout, il y a pour hommes, il y a pour femmes, il y a pour enfants, il y a des accessoires, il y a des accessoires mode, des bijoux, des accessoires téléphone, make-up, il y a vraiment de tout. Du coup allez fouiller. Voilà exactement, et tous les articles qu'on vous présente seront dans l'ordre en barre de description. Donc va bien voir en description, et d'ailleurs sur Shein faut prendre sa taille. Faut pas prendre une taille au-dessus ou une taille en dessous, faut prendre sa taille. Même en chaussures. Exactement, même en chaussures. Donc du coup bah écoute, on va commencer avec les pantalons, on va continuer avec les hauts et finir avec les vestes. Ok, comme nickel. Ça, au moins pour vous c'est clair, net et précis. Allez, c'est parti pour les pantalons. Donc moi j'en ai pris 3. Alors le premier c'est celui-ci. Coup de cœur, voilà. Coup de cœur ou pas coup de cœur? Simple, efficace, passe partout, on valide. Voilà, donc moi personnellement je prends tout taille M, Lona tout taille S. Ouais, comme ça au moins vous avez une petite idée en fonction de notre morphologie, etc. Alors du coup voilà, un petit slim comme ça qui est trop beau, simple, efficace. Et pour une fois, je ne vais pas couper les bords, je fais un mini bord, c'est tout, mais vraiment mini, parce que je suis toute petite, on fait 1m55. Mais franchement, il me taille trop bien, il met bien les formes en valeur, tu vois. Et du coup voilà, très très beau, il est de couleur bleue avec un petit peu de blanc devant, ça fait un petit contraste. Celui-ci est trop beau et en plus il est élastique, donc ça voit quasiment toute morphologie. Validé. J'ai pris un pantalon blanc que j'ai essayé tout à l'heure, il est trop petit et c'est bien rare de chez Shein. Ah, c'est très rare ça. Voilà, c'est taille S en fait, au niveau de la taille il est vraiment très très petit. Ah quoi. Ouais, il est vraiment petit, c'est taille XS au niveau de la taille. Parce que c'est une taille basse. Ah ouais, c'est une taille basse. Les tailles basses, moi perso, parce qu'on a des grosses hanches nous. Ouais, donc il taille trop petit malheureusement. Malheureusement trop petit, mais ce mec était magnifique, il était pas transparent, il est pas de dev, donc je vais le reprendre mais en taille M. Donc une taille au-dessus, c'est vraiment, il pète, il est très joli. Bon, il est trop petit, je suis un petit peu dégoûté. Donc du coup, moi on va passer par un deuxième pantalon qui est un jean, qui est un petit peu plus long que l'autre et qui n'est pas serré, tu vois. Il y a des tout petits trous, qu'est-ce que tu en penses quand j'ai porté? Moi j'aime bien, il est boyfriend, c'est exactement ce que j'aime. C'est ça, avec des grosses baskets. Ouais, avec un petit très très fou. Et c'est ça, maladie. En fait on était malade, on a attrapé la maladie. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. On était plein malade pendant 2 semaines et là on est encore malade. On tousse encore et tout. Ouais, moi j'ai des pics dans la gorge, même Yolande. Et quand on était en tournage, j'avais un pic, je faisais j'allais m'étouffer. Et t'en donnais vraiment de l'eau et tout. Donc bref, du coup voilà, encore une fois ma taille taille M, il est super beau, c'est un jean quoi. Un petit peu à trous qui est assez long et assez large au niveau des chevilles. Enfin super beau, vraiment super beau, je l'adore. Une jupe, mais c'est trop rigolo sur certains articles, il y a l'étiquette Shein. Ah ouais, c'est rare, c'est très rare. Mais du coup c'est une jupe comme ça, couleur nude, elle est absolument incroyable, elle taille parfaitement bien, elle est courte mais pas trop non plus, on voit pas tes fesses quoi. Elle est vraiment d'une qualité incroyable. C'est un peu simili-cuir comme ça. Exactement, et derrière comme devant, vous savez, il y a des sortes de petites coutures comme ça qui vont venir légèrement replier la jupe, donc ça me donne des belles formes, vraiment j'adore. Ouais, il est beau. Ouais. Par contre il pue. J'ai des odeurs. Tout le monde qui pue ou quoi? Ce pantalon, j'ai même pas souvenance de l'avoir pris. Je l'ai pas encore testé, du coup je sais pas si ce sera ma taille ou quoi. En fait c'est un couleur rose comme ça, un peu rose vieux, et pas de def en bas. Ouais. Donc ça peut faire super sympa avec des petits talons, même des baskets, des fois ça fait grave sympa. Donc du coup voilà, à tester. En tout cas c'est une très bonne qualité. Il y a un petit bouton, il y a encore des petits plis qu'on retrouve qui donnent une belle forme. Ça fait un peu tailleur, genre ça fait très classe. Exactement. Et il est léger, du coup je pense qu'il
qui va bien m'aller. Moi j'aime pas les vêtements, vous savez, trop épais, justement je trouve ça grossit et tout. Là c'est fin, c'est léger, hâte de tester. Hâte que tu le testes. Et bah les gars, on a toutes les deux un top qui vient de chez Shein. Alors celui-ci il est incroyable. Le dos il est comme ça, donc c'est un sort de dos nu. Ça fait un peu genre sportwear avec les deux trucs. Je l'adore, il est absolument incroyable. C'est des hauts que de base j'aime pas parce que ça donne du volume et tout. Mais moi comme j'ai une petite poitrine, franchement ça va, ça me rapporte pas encore trop de volume. Vraiment il est trop beau, il y a un sort de petit col juste ici. Donc du coup moi j'ai celui-ci. Il est comme ça, franchement je le trouve très très beau. Couleur un peu chewing-gum, enfin, vous pouvez bien sûr tout fermer hein. Moi je préfère comme ça avec un petit col. Et voilà, rien à dire, très bonne qualité. Il est grave de ma taille, il est élastique. Du coup tu te sens confortable, c'est pas rêche. Ouais, enfin c'est rêche, rêche, je sais pas comment dire. Et du coup voilà, validation. Petit top celui-ci, il est vraiment trop joli. Alors il est un peu été hein, on va pas mettre ça en hiver. On le sert avec un sort de petit nœud juste ici, donc c'est un cache-cœur si je peux dire. Franchement, il fait pite en vie. Ensuite on va continuer avec un petit top comme ça que Lona l'adore. Elle est ultra fan. Lui j'aime beaucoup. En fait c'est vraiment ce genre de top avec ses motifs, donc j'adore. Il est un petit peu ouvert par le devant, il fait une belle poitrine, il match super bien. Et voilà, très très beau, très bonne qualité. De couleurs bleu, rose, blanc, bleu clair, bleu foncé. Les couleurs sont très très jolies. Et franchement, il time est méga bien, vous allez voir au close-up. Celui-ci, c'est mon coup de cœur de la commande. Et ça coûte pas cher en fait, c'est ça qui est le plus chaud. Genre, c'est pas cher, il y a rien qui est cher sur ce site, c'est abusé. Sur un autre haut, vraiment très très simple. Celui-ci, un blanc. Il y a un sort de petit col. Franchement, ça avec une doudoune rose chez Shein que j'ai. Je vous assure que la tenue, c'est un bain. Genre vraiment trop beau. Petite manche vraiment basique. Le dos est basique. Mais parfois, les basiques dans une garde-robe, il faut en avoir. Alors moi, nous allons passer avec toujours les hauts, ok. Dans la commande précédente, vous avez vu que j'avais commandé ce haut-là, mais il est prend taille M, parce que c'est ma taille habituelle, sauf que c'était beaucoup trop grand. Donc je me suis dit, Yolande, il faut que tu prennes une taille en dessous. J'ai pris taille XS pour vous dire. Donc si vous êtes très très fine, je vous déconseille ce haut parce qu'il sera beaucoup trop sac poubelle pour vous. J'ai pris taille XS et je trouve qu'il taille vraiment bien, il monte bien au niveau du dos, donc c'est sympa. Il descend bien en dessous de la poitrine et en même temps, les manches sont bouffées, tu vois. Donc non, très très beau, très bonne qualité, très très épais pour l'automne et pour l'hiver même. Donc ça c'est une validation. Alors ici j'ai pris une blouse un petit peu zébrée mais de couleur marron, un peu comme le premier top que je vous ai montré, enfin le top que je vous ai montré précédemment. Et en fait franchement c'est le même style, genre sauf que c'est une blouse, c'est pareil. Et qu'il est beaucoup plus classe, tu vois, genre au niveau des manches, si t'as un bouton, les manches elles sont vraiment bien classe. C'est ce que je préfère, tu vois. Ah ouais? Ouais. Reporté, hein, vous allez voir, moi je l'ai pas encore testé, mais il a l'air d'être une dingue, mais j'imagine même pas. C'est vrai que je fais plus classe que l'autre, tu vois. Ouais, c'est ça. Ensuite moi nous allons encore une fois passer avec un top. J'ai kiffé sur le site, sur la mannequin, c'était magnifique. De couleur un peu blanc, nude, comme beau. Ça, magnifique, resserrable au niveau du côté. Donc ça c'est trop cool, tu peux vraiment donner un effet un peu plus sexy en resserrant de ouf sur les côtés. C'est manche longue, simple, efficace. Vous allez le voir porter, il est trop beau. Les couleurs en fait, il met en tout cas. Ok, alors là du coup ici j'ai pris une robe qui est légèrement ouverte, vous savez, au niveau du ventre et qui est col en V, franchement t'en penses quoi? J'aime bien, sauf que c'est une matière un peu mal de bain. Je vais vous montrer une robe pareil, elle est la même matière, je passe à la matière. Ouais bah moi la matière ça me dérange pas, je dois viser, c'est un peu une matière qui glisse, vous voyez. Donc du coup voilà la robe à quoi elle ressemble, elle est très jolie, il y avait exactement la même en rose pétant. Ça faisait trop bling bling, tu vois. Donc le noir ça passe, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite moi je vais partir sur ça, Lona avait le même, en fait c'est un haut à zip noir et je trouve qu'en fait c'est très joli parce que ça peut faire sexy quand tu ouvres ici, vous savez, au niveau de la poitrine, il y a une petite éclair, une fermeture et quand tu l'ouvres bah, ça fait décolleté. Très très beau, il taille bien encore une fois, c'est élastique, du coup tu te sens bien à l'aise dedans. Et d'ailleurs quand j'avais porté dans la vidéo de laquelle on achetait des trucs chez Shein à moins de 1€ je crois, tout le monde m'a demandé d'où venait le haut. Donc là vous avez enfin le lien, il est en barre de description les gars. Oh my god, là on va partir sur des manteaux cette fois-ci.
aussi. J'ai commandé une petite doudoune vraiment courte de fleur marron. Yolande, elle a la même en noir. Très très courte. Alors nous, le court, ça nous va trop bien, c'est trop notre style. Bah, on est petite, donc tout ce qui est court nous va bien. Voilà. Et mon Dieu, comment elle est absolument trop belle. Et le col, tu peux même le retrousser, donc ça fait très très beau. Et il y avait marron, il y avait noir et c'est tout. Oui, c'était tout, c'était les deux seules couleurs. Et franchement, elle tient chaud, mais pas trop non plus. Cette doudoune, c'est genre, je pense, le basique à avoir dans sa garde-robe. Ouais, parce qu'elle prend pas de place, parce qu'elle est trop belle. Parce elle tient chaud, elle tient chaud. En plus, je trouve que c'est une matière un peu kawaii limite. Ouais. Donc quand il pleut, bah tu seras pas absorbé d'eau, en fait, l'eau va glisser dessus, vous voyez ça. Et du coup, c'est pas cool. Téléphone, ça m'a fait peur. 0974. Réponds parce que Lona, je me appelle. J'ai peur des appels. Réponds. Non, je ne réponds pas. Yolande. Mais t'as pas répondu. L'autre fois, et heureusement qu'elle avait répondu, c'était quelqu'un qui nous appelait, un caster, pour demander si on voulait participer à l'émission. Lona, je voulais pas répondre. J'ai dit, mais réponds, on sait jamais. Une robe du coup qui ressemble quasiment à la robe que Lona a pris. Elle est trop pépite et moi je la trouve très belle. Oh, les manches un petit peu bouffantes, enfin bouffitant. Parce qu'en fait ici c'est resserré, du coup ça a le temps de gonfler sur le bras, trop beau. Mais par contre, le seul truc qu'on a, c'est la matière un peu maillot de bain. Ouais, j'avoue que ouais. Et je trouve que ça fait pas cali, j'aurais préféré une robe tissu. Ouais, en vrai après, par exemple. En blouse, pas tissu maillot de bain. Là ça fait maillot de bain. C'est ça, pas comment est-ce qu'ils appellent cette matière. Ok, tu portes une robe, mais elle est pas cali, pas cali. Les amis, cette doudoune, je suis amoureuse. Je l'adore. Elle est de couleur un peu bleu, ciel, blanc. Ça fait penser un peu au nuage. Ça fait un peu bomber. Mais c'est un bomber. Elle est belle. J'aime bien le contraste en fait, vous savez, de la fermeture qui est noire en fait. Incroyable. Elle est belle. Ouais. Cette doudoune là, franchement, tu peux être habillée comme un sac, tu la portes et t'es trop bien habillée. C'est validation encore. Validation amoureuse là, vraiment. Vraie validation amoureuse. De toute façon, de n'avoir que des validations amoureuses. C'est la veste nuage. Veste nuage, on valide. Voilà. Ensuite, moi, on va continuer avec une robe. Cette robe, vous voyez, la qualité, je préfère en fait, parce que c'est du tissu. Donc, quand on la regarde comme ça, c'est très mignon. Pourquoi? Parce que devant, c'est décolleté. Avec des manches qui sont très simples. Sur les côtés, c'est un peu resserré. Donc, quand tu la portes, ça moule bien. Tu peux la remonter, tu vois, ou la baisser si tu la veux longue ou courte. Et franchement, ça, j'aime bien. J'ai rien à dire, franchement. Rien à signaler, elle est très très belle. Banane, je crois que vous la connaissez si vous regardez nos All Shein. Yolande avait exactement pris la même. Et c'est quand j'adore. Elle ressemble un peu à la banane, un peu style Louis Vuitton. Si on regarde le prix, on voit très bien que c'est pas Louis Vuitton. Hein, je l'ai pas pris pour ça. Je l'ai pris tout simplement parce qu'elle est assez fine. Elle est, enfin, elle est petite quoi, tu vois. Elle est pas mastoc sur soi en fait. C'est ça, et comme on est petite, bah, ça nous voit très bien. Donc, du coup, voilà, autour de la taille avec un petit pantalon moulant et tout, ça fait trop joli. Ouais. Je suis absolument amoureuse et folle de ça. On met tout le temps des bananes quand on part en soirée, comme ça on perd rien. On met notre téléphone, nos clés et on perd rien. Pas de sac, c'est exactement. C'est incroyable, genre. Incredible guy. On va continuer avec une veste comme ça, vous connaissez, si vous nous suivez depuis longtemps vous savez que oh my god. Nous en veste on a un style assez particulier. Et bah celle-ci, oh my godness, j'aime, si elle aurait été encore plus courte j'aurais encore plus kiffé. Ouais. En tout cas j'aime beaucoup, ça fait nounours, ça tient chaud, c'est tout doux, t'as envie de te nicher dedans toute la journée je vous jure. Et voilà, rien à dire, elle tient chaud, ça vous conduit près taille S. En veste ouais j'ai tendance à prendre vraiment une taille en dessous. Parce que les vestes souvent c'est déjà grand et souvent tu flottes déjà un peu dedans. Ouais, donc les grosses vestes comme ça moi je prends toujours une taille en dessous qui est ta S. Et du coup voilà, je l'adore, je suis amoureuse. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. Alors regardez les petites chaussures ici que j'ai pris en taille 37. Elles sont parfaites au niveau taille parce qu'il faut prendre sa taille. Et un peu léopard et de couleur blanc. Du coup ça fait hyper classe. Genre vraiment. Celles-ci non, franchement je les aime beaucoup. Et il existait différents coloris. Et pas que léopard mais aussi genre du noir et tout. Oh d'accord. Donc si vous préférez le soft et que vous aimez ce type de chaussures, et bah regardez en barre d'infos, il existe plusieurs coloris et plusieurs motifs. Donc du coup j'ai pris celles-ci qui sont très belles, très classe. Faut se faire une belle pédicure pour mettre ses chaussures comme moi. Ça c'est de l'humour. En tout cas elles sont très belles, très classe, simples, efficaces, bonne qualité. Encore une fois taille 37, c'est de ma taille. Et voilà quoi, rien à dire, rien à signaler. Il existe plusieurs coloris sur le site donc foncez. Dernier article du coup de chez Shein. J'en ai 12 au lieu de 15, je suis en colère. En fait c'est une veste comme ça de couleur marron que je vais porter. Elle est assez courte et moi c'est ça que j'aime en fait, c'est le court. J'avais la même en longue mais moi c'est en le court quoi qui me va le mieux. Et punaise, elle n'est pas courte. Bah voilà, je t'avais dit c'est pas elle. J'ai dégoûté les gars, elle est jolie mais je veux dire moi j'aime bien le court en mode quand ça m'arrive là quoi. Je suis un petit peu en colère quoi. Bon bah du coup voilà, on a fait
tour. Moi je crois que je dois recevoir encore 3 pantalons. Donc du coup je vous ferai des close-up juste après. Juste maintenant, regardez. Ok les amis, les 4 articles que je vais vous montrer, c'est de la gamme petite sur Shein. Et honnêtement je vous déconseille de ouf les pantalons. J'aime pas du tout, pourtant j'ai pris ma taille, taille M. Mais c'est trop petit, c'est taille basse. Enfin franchement je vous le déconseille. Après tout ce qui est les hauts, les vestes, les robes, ça par contre ça taille bien. Vous allez voir la dernière robe, elle est plutôt sympa et c'est dans la gamme petite. Mais par contre les pantalons, franchement je trouve que c'est trop taille basse. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'aime pas. Mais par contre cette robe par exemple, elle est très très belle et de très bonne qualité. Et voilà, du coup on espère que cette vidéo t'aura plu. On espère t'avoir fait découvrir plein de nouveautés de chez Shein. Ouais, parce que sur Shein, il n'y a pas que ce style-là. En tout cas, n'oubliez pas notre petit code promo qui est 58 en majuscule où vous bénéficiez de moins 15% sur la totalité du site. Et tous les liens sont en barre d'informations dans l'ordre s'il y a un article qui vous intéresse. On fait à tous de gros et d'énormes bisous. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao.